Eux aussi disent être désemparés à cause de l'impossibilité de s'adonner à leur passe-temps favori. Les adeptes du jeu de hasard ne vivent plus leur passion depuis la fermeture des clubs PMUB en raison du coronavirus. Les plaintes des inconditionnels du PMUB sont quotidiennes, comme vous allez le voir dans ce dossier tourné dans quelques clubs à Ouaïouguia, Issoufou Kabouré et Moussaki. Club du Paris Mutuel Urbain Burkinabé PMB au secteur 5 de Ouaïouia. À l'intérieur, des parieurs suivent la télévision en lieu et place des pronostics. C'est leur quotidien depuis l'arrêt officiel des paris, plus de journées hippiques. Mais le vieux Gérard reste attaché à ce lieu. Nous sommes habitués à venir ici. Mais le club est fermé. Voilà. Nous n'en gagnons plus à manger. Gérard n'est pas le seul à se plaindre de la situation. C'est presque tous les parieurs. Ils appellent permanemment les aides vendeuses pour s'informer sur la reprise. On a fermé à cause du Covid-19. Et les clients nous appellent. Les clients souffrent beaucoup. Ils veulent jouer. La situation reste alors complexe. Et pour garder la clientèle, les propriétaires sont obligés d'ouvrir les clubs. Le mois qui vient, là, si ça continue, on va fermer, on est obligé de fermer. Donc comme c'est un mois là, on va gérer, mais si ça va dépasser un mois, on ne pourra pas. La fermeture des clubs PMB est une mesure pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Une mesure difficile à supporter. Les uniques conditions qui passent au moment, hein. C'est mieux de nous dire de respecter les mesures que de tout fermer. Cela n'est pas bon. La perte est énorme. Mais nous pensons récupérer. Voilà, tout est bloqué. Parieurs et propriétaires des clubs PMB sont désormais dans le désarroi. Ils sont même à bout de souffle. Et leur souhait le plus ardent, la réouverture des maisons de Paris.